Passons maintenant à la correction de l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, il y a beaucoup d'écriture pour finalement, vous allez voir, pas beaucoup de questions à laquelle il faut répondre. Donc, ici, vous avez le programme, vous avez la figure, et donc, comme programme, commencé par Arthur, et c'est à vous évidemment de le finir. Donc, s'orienter à 90, ça veut dire que je regarde à droite. Effacer tout, ça veut dire que sur votre écran, il n'y aura plus rien. Donc, quand je... euh, plus rien, attention, si jamais il y a un lutin, il y aura quand même le lutin. Quand on dit effacer, c'est tout, c'est éventuellement tout ce qui aurait pu être euh, dessiné. Stylo en position d'écriture, ça veut dire que le stylo il descend et donc quand vous allez avancer, naturellement ça va faire des traits. Répéter un certain nombre de fois, avancer de 80. Donc par exemple, quand je suis ici, donc on va avancer de 80 et on va tourner ici de 144 degrés. Ensuite, il y a écrit nouveau, avancer de 80 tourner de 72. Donc moi ce que je fais pour faciliter un petit peu les choses, je prends toujours une main qui dessine, une main qui suit le programme. Donc s'orienter à 90, je vais à droite, effacer tout, j'ai plus rien, Style en position d'écriture, je descends, répéter, donc là on ne sait pas évidemment mais on verra ça après, ensuite avancer de 80. Donc si j'étais comme ça, je dessine de 80. Tourner de 144. Je regarde vers la droite, je tourne de 144, je me retrouve vers ici. C'est toujours par rapport à l'endroit où on regarde. Donc techniquement, on regarde à droite. Donc quand on tourne de 144, c'est par rapport à l'endroit où on regardait. Donc 144, c'est plus que 90. Donc quand on a 144, on est à peu près comme ça. Hein. Donc c'est 90 plus encore les 54. Donc. On regarde vers ici, on avance de 80. Et ensuite, pareil, pour l'instant, on regarde dans cette direction-là et on tourne de 72. Donc si on tourne de 72, techniquement, on va regarder vers là-bas. Et ensuite, on revient. Donc ça veut dire que là-dedans, à chaque fois, en fait, vous dessinez une branche de l'étoile. Pour savoir combien de fois il faut répéter, c'est simple. Il suffit de regarder combien vous avez de branches ici. Donc quand on regarde, on a 1, 2, 3, 4 et 5. Et on voit bien qu'on revient dans le bon sens. Donc ça veut dire que combien de fois doit-il saisir dans la boucle répétée pour obtenir l'étoile bah Tout simplement 5 fois, puisque vous avez 5 branches. Déterminez le périmètre de cette étoile. Donc pas de difficulté ici, puisque vous avez là. Euh, sur chaque branche, on avait dit vous avancez de 80 ici, vous avancez de 80 ici, mais il suffit de compter combien de fois vous avez ce 80, vous l'avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce qu'on aurait pu faire aussi en se disant que chaque branche fait 160, et comme on a répété 5 fois, ça fait 5 fois 160. Donc ici, 5 fois 160, ou alors 10 fois 80, et donc ça fait 800. Donc ici toujours c'est 800 mais 800 pixels hein, puisqu'on parle évidemment du logiciel. Arthur souhaite agrandir cette étoile pour obtenir une étoile dont le périmètre serait le double en modifiant son programme. Recopier la partie du programme si contre sur la copie en modifiant les valeurs nécessaires pour obtenir cette nouvelle étoile. Alors quand vous avez un agrandissement, il y a toujours 5 branches. Donc ici, répétez, c'est toujours 5 fois puisque sinon vous allez multiplier le nombre de branches et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Ensuite, avancer 2, ben, c'est là où aussi on veut multiplier le périmètre par 2, on multiplie toutes les longueurs par 2, ce qui n'est pas forcément vrai pour les airs et les volumes. Donc ça veut dire qu'ici, à la place de mettre avancé de 80, on aura avancé de 160. Ensuite, tourner de 144 dans un agrandissement, dans une homothétie, les angles eux ne changent pas. Donc 144 degrés, on le laisse. Avancé de 80, on met 160. Et donc tourner à droite de 72, on le laisse. Donc finalement, ici, la seule chose à changer, c'est à la place du 80, on met 160. Et ici, on met toujours répéter 5 fois, puisqu'il y a quand même toujours 5 branches à l'étoile, même si elle a été agrandie.